L'exploit, c'est quand même Steve Geria qui l'aura réalisé avec 9,50. Il postule au podium et la médaille d'or. Ça, c'est un sacré coup et c'est bien. Attention aux barres asymétriques avec la concurrente italienne, mademoiselle Chiara Ferrazzi, qui va tenter quelque chose là, sûrement un lâcher de barre. Quand on voit, oui. L'entraîneur derrière, oui, en protection, pour qu'elle, en cas où elle manquerait, qu'elle ne se prenne pas la barre dans le dos ici. Ouh, la superbe sortie en full in, full out, un double salto arrière avec une vrille dans chaque salto. Très difficile à réaliser à la barre asymétrique. Et Léo Orcouf est en tête avec 9,675. Ce serait la deuxième médaille d'or pour la petite Marseillaise devant Mercedes Pateco et Virginia Carenzu. Mais j'ai l'impression que l'italienne Chiara Ferrazzi viendra s'intégrer dans ce classement. Mais peut-être pas la plus haute marche, Eleonore Kouf ayant réalisé, je crois, la plus belle évolution aux barres asymétriques. Quant au sol masculin, il est incontestable, je pense, que Steve Geria sera superbement noté